Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une sortie que je fais. Il est midi et demi. Et en fait, je fais de la peinture chez ma fille. Je vous montre mes habits, comme ça, ça prouvera que je fais bien de la peinture. Voilà. Et donc, eh bien, je mange dans mon Kangoo à midi. Voilà. Et ça sert aussi à ça, un Kangoo. Voilà, donc il n'y a pas trop grand-chose à vous dire, si ce n'est que je vais manger mon petit repas. J'ai amené des trucs froids pour pas faire de cuisine. J'ai pas trop le temps de cuisiner. Et donc, j'ai ramené mon sachet isotherme. J'ai pas pris mon frigo parce qu'il n'y a pas la nécessité. Pour le peu de choses que j'emmène. Voilà, donc comme d'hab, hein, comme d'hab, j'installe ma tablette. Et puis ben, je vais grignoter du jambon, du pain, du beurre, un peu de fromage. Ça c'est un petit pain au lait que j'ai cuisiné il y a une semaine. Alors je les congèle. Et puis j'en décongèle au fur et à mesure. Bon, on va commencer par un bout de pain, ça sera déjà pas mal. Le beurre, le jambon sous vide, parce qu'il faut du pratique. La bière, ah bah oui, toujours un petit coup de bière, moi j'aime bien la Kronenbourg. J'aime bien la Mutique aussi, j'aime la Météor. Une orange pour dessert. Encore un petit gâteau de semoule, la semoule au lait. Que j'aime bien. Un petit bout de chèvre. J'ai fini mon frigo là, comme ça. J'irai au frigo demain. Et puis là, j'ai même ramené mon couteau de la maison pour pas faire de travail dans le Kangoo et de vaisselle. Ma cuillère pour le dessert. Mon couteau avec un petit bout de bouchon pour pas transpercer l'étui plastique dans lequel je le transporte. Et voilà. Donc c'est parti pour un petit casse-croûte vite fait. Voilà. Une petite demi-heure et je continue après. Allez, bye. Il n'y a pas trop grand-chose à vous montrer ce coup-ci. Hein. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Et hop, une bêtise. J'ai renversé mon pot de semoule au lait par terre sur le tapis. Je suis pas contente. Et voilà le chantier qui a déjà bien avancé. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de baie vitrée ici. Les sols, bon, enfin bref, c'était habitable initialement à l'achat. Mais initial, un petit peu à l'ancienne. Donc, des murs découpés. Tous les radiateurs détachés, les vitres changées, les murs, tout a été remis à nu. Porte d'entrée, etc. Cuisine, ici, il n'y a plus rien. Ça va être réaménagé. Les couloirs. Donc voilà, salle de bain, réaménagée. Et moi, pour l'instant, je bosse ici. Là, j'ai fait le plafond, donc à contre-jour, on voit pas trop, bon bref, c'est blanc, c'est blanc. Ici, j'ai déjà fait la peinture pour le petit garçon, reste à enlever les bandes de limitation de couleurs. Un radiateur a été raccroché, repeint. Là, tous les autres radiateurs ont été lavés, repeints. Enfin bon, il y a beaucoup de travail. Là, tout le plancher qui sera apposé plus tard. Et voilà, je donne un coup de main. Tant qu'à faire, j'ai rien à faire. Autant que je donne un petit coup de pouce, histoire que ça avance un petit peu plus vite. Un petit village non loin de Strasbourg, à une quinzaine de kilomètres à peu près. Après Reichstätt, hein, pour ceux qui connaissent.
Donc je rentre de ma journée de peinture. J'y retourne demain, j'ai bien avancé. Et voilà, et puis ça me plaît bien en fait de peindre. Je vais tapisser aussi certains murs, mais j'aime moins tapisser, je préfère peindre. Oh, magnifique. Je vous dis bonsoir, parce qu'il est 17h30. Donc le temps d'arriver chez moi, avant le couvre-feu. Et puis à très plus. Bye bye.